Salut à tous, je me nomme Willy Gates. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une figure 3D avec Adobe Illustrator. Allez, top, c'est parti. Et donc, pour commencer, nous allons cliquer sur Créer nouveau. Ensuite, nous allons ici mettre le nom. Ensuite, nous cliquons sur Créer. Voilà. Et donc, ici, je vais redimensionner mon plan de travail. Ensuite, je vais créer un carré. Je vais appuyer, maintenir la touche Shift enfoncée, dessiner votre carré. Ensuite, ici, nous allons essayer de mettre une couleur à l'intérieur de ce carré-là. Et donc, nous allons dupliquer ce même carré-là en 4. Voilà. Donc nous allons verrouiller. Ensuite nous allons créer un tracé. Alors, si on fait clic droit ici, trait, nous allons dessiner notre trait ici. Ce même trait là, nous allons dupliquer. Et est-ce que nous faisons ça? On va faire pivoter. Voilà, nous allons placer ça à ce niveau là. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons aussi verrouiller cet élément-là. Ensuite, nous allons prendre l'outil plume. Voilà, l'outil plume. Et nous allons effectuer le tracé. On mesure très bien. Nous allons verrouiller. À chaque fois, on va verrouiller ce qu'on a fait pour éviter que ça dérange les autres.
Donc maintenant que nous avons effectué notre tracé, nous allons déverrouiller tout ce que nous avons fait. Ensuite, nous allons essayer de mettre de faire des dégradés de couleurs. Donc nous allons cliquer au milieu ici. Et nous allons essayer de mettre une couleur. On double-clique là. Ici, on choisit RVB. Ensuite, je vais prendre une couleur comme ça. Voilà, je vais copier le code de la couleur parce que ça va me servir pour la suite. Ensuite, je vais télécharger le truc ici. Maintenant, on prend ça, je clique là, si vous sélectionnez tout ça, je clique là. Maintenant, ici, vous constatez que le fond ici est plus foncé. Le fond est encore plus foncé que le haut. Donc, adapté celui-là aussi à celui de droite à celui de gauche. Donc j'avais déjà copié le code de ma couleur. Donc je vais venir ici, je viens là, RVB, je colle le code de la couleur ici. Ensuite je tape entrée. Ici je viens et prends le blanc. Voilà, je fais de même pour celui-ci. Je fais ça. Je fais de même pour celui-là aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait CTRL Z. J'ai fait une mauvaise manipulation. Voilà, je reviens là, je fais ça. Je reviens là, je fais ça. Je tape entrée. Et donc, voilà. Voici un peu ce que je voulais vous montrer. Voilà, ceci la figure 3D que je viens de créer. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser cette technique-là pour vous exercer à créer des figures 3D comme bon vous semble. Et donc, je vous remercie et à bientôt pour un nouveau tutoriel.